Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes, et surtout à tous ceux qui nous regardent en ligne. Donc, je m'appelle Abdoul et je suis data scientist à l'Agence française de développement, et je vais donc du coup modérer cet atelier. Donc, il s'agit du dernier atelier de ce colloque, un atelier spécial car nous avons la chance d'avoir beaucoup d'intervenants, mais une chance qui nous incombe malheureusement une contrainte de temps. Donc, je vous prie, chers intervenants, de bien vouloir limiter votre temps de parole à 5 minutes environ chacun pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité de s'exprimer. Donc, cet atelier se fera donc sous la forme d'échange principalement. Pour des raisons de simplicité, je vous présenterai au fur et à mesure que je vous céderai la parole. Donc, nous allons commencer par se poser la question des biais que l'on retrouve dans les données lorsque l'on développe des modèles d'intelligence artificielle. Et par biais, je parle de racisme colonial principalement. Donc, je vais céder la parole à Fidelia, enseignante et chercheuse à l'Université d'Aix de Marseille, qui va nous parler de ce lien étroit entre l'IA et le racisme. Merci. Merci. I'm really sorry for my English because it was prepared in that language. And also so that people who are following us online can follow everything. So the topic of my presentation is racism and data colonialism and obvious connection. So I will first start by recalling the theoretical or the conceptual framework of my analysis, which are based on critical race theory and data colonialism. Because time is so short, I'm not going to dwell on these two terms, but you can find information about what each of them means. Data colonialism was defined by Coulibri and Majors as the predatory extractive practices of historical colonialism with the abstract quantification methods of computing. And through what we call data relations, social life all over the globe becomes an open resource for extraction that is somehow just there for capital. So the idea is that the historic forms of slavery and colonialism by Europeans in the 17th and 18th century relied on the annexation of physical territories and of their human and mineral resources. What data colonialism adds to the historic colonialism is another layer of exploitation based on commodified social relations, or more succinctly, data relations. It's noteworthy that more wealth is now being accumulated from the untrammeled exploitation of data called from the web. And governments in the countries where these tech giants are based, like the USA and China, are unwilling to curb their free exploitation of social and personal data because it gives them clear economic and geopolitical advantage over their rivals and over other poorer nations, especially in Africa. That AI is turbocharging prejudice, racism, and inequalities need not be a controversial issue. There have been several well-publicized cases of racial bias in the categorizations and predictions made by AI algorithms. These cases have been revealed by journalists and by scientists. Let us recall that the murder of 9 African Americans in a church in Charleston in the USA in 2019 by Dylan Roof, a young white supremacist, was a direct result of the Google search result he obtained, which reinforced his racist tendencies and led him to cross the line, thereby taking action. One of the most respected AI ethical thinkers and researchers, Timnit Gebru, observed firsthand when she worked for Google
the hypocrisy of tech giants who, on the one hand, claim not to influence the algorithms, but at the same time, feed them racially biased data. In a counter study that she ran with a fellow Black female researcher, Timmy Gebru revealed the extent of racial bias in commercial facial recognition systems developed by Microsoft, Facebook, and IBM. It also requires a bit of imagination to imagine all the adverse effects these negative connotations of AI prediction do to dark-skinned people. Amongst those adverse effects are police brutality, leading to violence and to death, unwarranted arrests based on skin color, discrimination in access to decent housing, healthcare, and jobs, and the list continues. As you can see on this image, you have profiles of Black and white male, and each time you can see that the prediction made by AI system for Black male is much more negative and adversely affects all the services that the Black male receive. Whereas the white male could actually have committed more serious offenses, but the AI system gives them more positive categorization. Without the data resulting from our human linguistic activities, there will be no information technology, no AI, and no cyberspace. The relation between language and racial bias is systemic and cyclical. Put differently, there is no racism without language, as Jack Derrida said. Bradley identified four types of biases that operate in a cyclic fashion, each amplifying the other. We have real-world bias that is reflected in data bias that is exposed by algorithmic bias that enters into organizational bias, and so on and so forth. And thus, the vicious cycle is reinforced. So part of the problem is that in the race to build ever bigger data sets, companies have begun to build programs that scrape data from the internet, which they use as training data. That means that white supremacists and misogynists or ageist views are overrepresented. And as many specialists have said, if you train AI on biased data, it will give you biased results. This is very problematic because AI systems are now pervasive in every sector of our lives. Also, Ball observed that lack of diversity in science and racism are linked. Some of the most horrific evils that humanity has experienced originated from so-called scientific advancements. It was the 17th century French physician, François Dernier, whose essentialization of physical and biological differences into a classification of human races, and the Swedish naturalist Carl Linnaeus' classification of races in the 1700s, which placed Black people at the very bottom, that constituted what is now known as the foundations of scientific racism. Likewise, the so-called European Enlightenment thinkers were not so enlightened when it came to colored people, whom they saw as savages. And as Clayton wrote, white supremacist notions were pervasive in the writings of the major figures of the Enlightenment period, among such men as Montesquieu, Voltaire, Kant, and Locke. So racism, slavery, and colonization are all offsprings of unbridled capitalist and imperialistic ideology that seek to acquire wealth, political and military dominance for the minority group at the expense of the majority, and recruits pseudo-scientists to legitimize the enterprise of exploitation and domination. As observed by David Kama and Al, 2022, the European colonization of the Americas and slave trade placed racism at the center of the global economy. In the aftermath of the racist murder of George Floyd in 2020, many institutions pledged to tackle systematic and structural racism within their own organization. As the number one leading scientific journal and institution, Nature has initiated a series of special issues entitled Racism, Overcoming Science Toxic Legacy,
in which it offered its own mea culpa and denounced the wretched legacy of men it had hitherto revered, who wielded power within its own institution and published many received researches. The Lancet, the fifth topmost scientific journal, also launched its own series entitled The Lancet Series on Racism, Xenophobia, Discrimination, and Health, December 2020. Such public soul searching and avowals of culpability, complacency, or outright support of scientific racism needs to be done by all academic fields and institutions. Scientific advancements often go hand in hand with prejudice, bias, and exploitation of the majority for the profit of the minority. Since December 2022, the world is astir with ChatGPT and its seeming intelligence in answering general questions on almost any topic. Legitimate concerns have been raised in the West about how such systems may risk replacing human experts in all sectors of activity. Cases of exam copies generated by ChatGPT have appeared in the media, and many universities are banning its use. In France, for instance, there have been a flurry of webinars organized by higher education institutions with their best computer science experts to explain how ChatGPT works. These webinars mostly recall the historic research on natural language processing and machine learning. But most of them did not explain why ChatGPT is different from what came before. Not only was ChatGPT trained on free public data sets, some of which were curated by scientists, but it also relied on something elegantly called reinforcement learning from human feedback, which is a training process involving a fine-tuned initial model using supervised learning with human trainers playing both the role of the user and an AI assistant, which is a pretty standard thing for AI systems. What is less talked about or researched about in academic circles is that for advanced AI systems such as ChatGPT to give this seemingly impressive performance, they rely on another sort of human labor, and I don't mean the glorified labor of the programmers who designed it and who are mostly white men, but the labor of hundreds of people often living thousands of kilometers from the Western countries where these systems are designed. Because this dark side of exploitation of AI is meant to be hidden from the general public, it took undercover journalists to reveal that OpenAI, which is the company that produced ChatGPT, outsourced to a third company called Sama the work of cleaning the dirt from ChatGPT's training data. So OpenAI outsourced to Kenyan laborers earning less than $2 per hour the work that was vital for ChatGPT to be able to give clean answers. So, in a sense, while dark-skinned people in Africa and Asia furnish an invaluable service, filtering out some of the most depraved content on the web, without which systems such as ChatGPT will not be deemed usable because they will spout nonsense. They will give people depraved sexual acts, racist, misogyny, homophobia content. The people who are furnishing these invaluable services are not recognized nor paid as content nor moderation specialists. They are reduced to modern slavery and subjected not only to economic exploitation but also to severe emotional trauma by the constant exposure to harmful web content. Almost all these dark-skinned workers are suffering from mental torture, severe depression. Some have had to resort to drugs in order to survive the trauma, and some have even committed suicide. So it is neo-data colonialism at its work. To conclude, Google's sacking of one of the most respected ethical AI researchers, Timothy Gabriel, in December 2020, the same year that George Floyd was brutally murdered by white racist police officers, it's a somber reminder that those who are currently leading scientific advancements and gatekeeping the digital world are the same white elites whose ancestors instituted slavery and colonization as a capitalist venture
which enabled them to amass considerable wealth, thereby giving their countries considerable economic, political, and military advantage over the rest of the world, allowing private companies untrammeled access to harvest human digital resources without adequate oversight, gives the minority of white elite men the capacity for social control of the planet. And no sector is safe. Tech giants are designing AI algorithms with the goal to predict emotions, gender, people's character, court cases outcomes, give legal advice, or make medical diagnoses. As Thierry Mélissier, philosopher and professor and director of the chair of AI and ethics at the University of Grenoble said, "Le monde de l'innovation n'est pas un monde de progrès. The world of innovation is not the world of progress." And I thank you for your attention. Merci beaucoup, Fidelia. Merci beaucoup, Fidelia, de mettre en lumière ces aspects qui sont très importants à considérer lorsqu'on développe des modèles d'intelligence artificielle. Donc, effectivement, lorsque l'on développe des modèles sur des données qui sont issues de la période post-coloniale, effectivement, on retrouve des discriminations raciales qui posent beaucoup de problèmes. Sans plus tarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va passer à la prochaine problématique. Donc, comment l'intelligence artificielle impacte notre manière de consommer et quelles conséquences économiques il en découle sur nos villes. Donc, je vais donner la parole à Nabila Diaël, professeur à l'Institut supérieur des arts et métiers de Tataouine, et à Ramzi Turcou, docteur et maître de conférences à l'Université de Bordeaux-Montaigne et de l'Université de Sfax en Tunisie. Donc, qui ont écrit un article « Tataouine, une ville qui peut être intelligente ». Merci. Ils sont là. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes en ligne, Nabila Diaël et Ramzi Turcou. D'accord. Donc, est-ce que Myriam Kilipa est en ligne qui a écrit un article sur la même thématique? Non plus. Très bien. Très bien. Donc, nous allons continuer. Donc, on va passer directement à un autre article. Donc, je vais donner la parole à Moustapha Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal, ex-UVS, et à Aminata Sahar, enseignante-chercheuse en droit privé à l'Université virtuelle du Sénégal, qui ont écrit un article sur l'éthique et la gouvernance des systèmes IA au Sénégal. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Nous avons un grand plaisir, ma collègue Aminata et moi, de participer à ce colloque-là. Et notre présentation, je ne sais pas si ça apparaît. Est-ce que c'est visible? Je partage mon écran. Oui, c'est là. D'accord. Alors, donc, notre présentation s'intitule « L'éthique et la gouvernance de l'IA et ses applications au Sénégal ». J'ai l'honneur de présenter ça, Moustapha Ndiaye, enseignant-chercheur en sociologie, et ma collègue Dr Aminata Sarr, qui est enseignant-chercheur en droit du numérique à l'Université numérique Cheikh Amadou Kane, ex-Université virtuelle du Sénégal. Alors, le plan s'établit ainsi. Nous allons faire l'introduction. Ensuite, on va faire l'état des lieux de l'IA au Sénégal. Et en dernier lieu, on va parler de l'éthique comme levier de gouvernance des systèmes d'IA au Sénégal. Alors, nous le considérons tous, l'IA constitue la base de ce qu'on peut appeler la troisième révolution industrielle. Et donc, ça occupe une place de plus en plus importante, notamment dans les discours sur les politiques publiques, sur les questions de régulation, sur les questions d'inclusion. Également, le monde industriel et la société civile s'accaparent de la question pour une inclusion toujours. Également, l'université a des fins de recherche. Ce qui est par contre constaté, c'est que très peu de pays africains ont une stratégie de l'IA. On n'a dénoté pas 10 pays. Au Sénégal, donc, il y a une ambition d'ériger une stratégie d'IA. L'écosystème est en phase d'engagement, mais on est encore au premier balbutiement et il y a encore une vision à éclairer avant même de parler de stratégie. Alors, notre travail en tant qu'universitaire, c'est d'abord de répondre à la troisième mission des universités publiques au Sénégal, c'est-à-dire ce qu'on appelle le service à la communauté. Et en essayant d'interroger l'IA, nous visons à participer, à éclairer la décision politique pour construire une vision qui va permettre d'asseoir une stratégie sur l'IA. La pénétration actuellement est embryonnaire. Donc,
on parle d'IA, il y a beaucoup d'activisme, mais donc il n'y a pas encore de stratégie, et donc ça constitue un enjeu stratégique. Pour deux raisons, ne serait-ce que par rapport à la démographie, on a une population extrêmement jeune et on a une population technophile. Pour que cette IA-là maintenant puisse être un levier pour le développement, donc il faut que l'État ait une posture et des prérequis donc qui sont mises en place et qui sont en adéquation avec la dynamique donc productive de l'IA. L'IA donc pourrait servir à améliorer le bien-être de la population, créer de la valeur et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable pour le pays. Minata? Alors, donc, sur les problèmes, allez-y. Eh bien, donc, merci beaucoup, Mustapha. Et je disais que sur la base de ce constat, en fait, du potentiel de l'IA à travers une stratégie à mettre en place, nous nous sommes posés dans le cadre de ce papier plusieurs questions qui sont les suivantes. D'abord, quels sont les acteurs aujourd'hui de l'IA au Sénégal? Quelles sont les perceptions sur l'IA que nous avons par rapport à ces acteurs-là? Et quels sont les usages concrets qu'on peut constater par rapport à l'IA? Une fois qu'on s'est posé ces questions qui nous permettent de faire un état des lieux, on se pose d'autres questions, à savoir la gouvernance. Quelle gouvernance il faut pour notre pays par rapport au système d'IA et quel système de régulation à mettre en place? L'ensemble de ces questions est articulé à deux niveaux. On a privilégié une approche croisée en sciences humaines et sciences sociales qui lui fait qu'aujourd'hui, on combine cette perspective sociologique qu'apporte mon collègue, le docteur Mustapha Ndiaye, et la perspective juridique que j'apporte moi-même pour, en fait, allier ces éléments et voir quels sont les déterminants, en fait, qui peuvent fonder une stratégie nationale sur l'IA au Sénégal. Donc, voilà comment s'articule notre présentation. Je redonne la parole à mon collègue pour nous parler de l'état des lieux rapidement sur les acteurs, usages et perceptions. Alors, par rapport à l'état des lieux, donc, nous allons très rapidement parler des acteurs. On a catégorisé les acteurs, les perceptions des acteurs et parler concrètement des usages liés à l'IA. Alors, par rapport aux acteurs, l'IA fait aujourd'hui intervenir et mobilise une pluralité d'acteurs dont les activités sont liées donc à l'intelligence artificielle. Et ces acteurs-là, malgré leur pluralité, on peut donc les catégoriser en trois. Nous avons ce qu'on peut appeler les acteurs institutionnels étatiques. Ce sont les ministères, et particulièrement ministère des Forces armées, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Enseignement et de la Recherche, ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons les services, les agences et les démembrements étatiques, donc les directions, les agences, qui travaillent directement sur l'IA ou dont les activités ont un rapport avec. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les ANE, donc les acteurs non étatiques. C'est le monde économique, la société civile et les particuliers qui utilisent directement ou indirectement l'IA et qui ont un intérêt et une posture bien déterminée par rapport à la chose. Enfin, nous avons le monde universitaire, donc par la formation ou bien par la recherche sur l'IA, donc qui interviennent et qui s'approprient l'IA d'une certaine façon. Alors, ces catégories peuvent être subdivisées aussi en plusieurs composantes, ok? Et ces composantes-là, donc, une fois connues, peuvent nous permettre de comprendre comment articuler la vision et les stratégies de l'IA. Concernant les perceptions, on peut les résumer en trois. Il y a une première perception qui est liée à la réticence. L'IA étant une innovation, et en tant qu'innovation, donc, bouscule peut-être les bases qui existaient, les pratiques. Et donc, la posture de réticence consiste à avoir donc, des postures défensives ou mesurées par rapport à l'IA en essayant donc, de voir comment éviter donc, les dérives ou ce qui peut constituer des entraves au bien-être et la vie sociale de manière générale. Ce qu'on peut catégoriser dans ce qu'on peut appeler la sociologie des usages comme étant en fait des réflexes défensifs par rapport à ces innovations-là. Il y a la neutralité, et la neutralité correspond davantage à ce qu'on peut appeler une posture de préactivité, qui n'est ni un rejet, ni une hostilité, mais juste une réponse à l'imprévisible, donc
et n'offre pas d'alternative. Cela correspond à ce qu'on peut appeler les usages prescrits. Okay? On se limite simplement à la notice, okay? Et aux usages basiques. Ces deux premières postures, comme vous le voyez, ne permettent pas une créativité, une valeur ajoutée pour donc que l'IA puisse être un levier de développement. Il y a en fait donc la dernière posture qui peut peut-être permettre cela, qu'on appelle la posture d'enthousiasme, qui permet une appropriation par l'acteur et donc correspond à l'image positive qui permet donc l'innovation et la création de valeur. Sur les usages, très rapidement, donc nous avons des services financiers digitaux, donc les opérateurs services et financiers qui ont compris l'enjeu qu'il y a face à une faible taux de bancarisation estimé à 15% au Sénégal et paradoxalement un taux de pénétration du mobile très élevé et donc ont développé des applications adaptées et accessibles qui permettent donc à donc des pratiques de services financiers de proximité, le cash to cash, et de manière donc très simple dans les quartiers, dans les points de service, vous pouvez très rapidement vous approvisionner, payer donc en utilisant les applications donc qui sont mises sur pied par les opérateurs de télécommunications, mais aussi des services de la microfinance. Dans le domaine de la santé, nous avons une présence qui est encore faible, quoique quand même on peut augurer donc d'un ampleur progressif du fait que l'IA peut constituer un outil d'aide à la décision médicale. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé a donc un plan qui s'appelle e-santé 2015-2019, où justement la question de l'IA est donc prise en compte. Le secteur de l'imagerie médicale également, à travers donc les possibilités offertes par l'IA, à travers les scanners, la radiologie et la radiothérapie, donc constitue un tout petit peu un secteur dans lequel il y a un petit balbutiement. D'autant plus qu'aussi il y a des possibilités des soins sur les contours des lésions tumorales, par exemple. Dans le domaine de la académique, nous avons aussi un faible balbutiement et une structuration plus ou moins éparse. L'IA étant devenue, bien entendu, un axe important dans donc la Commission nationale sur la recherche sur l'informatique et ses applications, mais l'IA n'est pas très présente dans des programmes de master en informatique, par exemple. On a certes des modules que l'on retrouve un peu dans les écoles de formation, mais il y a peu de programmes spécifiques. On en retrouve à l'Université numérique Cheikh Ahmedou Kane, où nous sommes, à l'Université Ibadir Tiam de Thiès aussi, ainsi que le Department of Informatics and Technology. Donc, ce sont les rares offres parmi peut-être tant d'autres, mais qui ne sont pas nombreuses, que l'on peut retrouver dans le domaine de l'IA. Je laisse la parole à ma collègue qui va nous parler de l'éthique comme levier indispensable à la gouvernance des systèmes. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez résumer un peu la partie restante en citant les points clés de cette présentation, car on a, comme on le sait tous, des contraintes de temps. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, en résumé, cette partie consistant, donc cette perspective juridique, elle s'intéresse sur l'éthique, le fait que l'éthique peut être un levier important pour la mise en place d'une gouvernance des systèmes d'IA au Sénégal. Et ce qui est à la base de notre réflexion sur cette partie-là, c'est de dire qu'aujourd'hui, quel que puisse être le pays qu'on prend et le Sénégal également, il est important qu'on mette en place ou qu'on consolide un système de gouvernance de l'IA qui tienne compte de l'éthique comme mesure de toute chose. Et ça, ça permet de tirer pleinement profit de ces avantages tout en mitigeant les menaces et les risques. C'est la base de notre présentation. Donc, trois clés de succès ont été identifiées. La centralité de l'humain. L'humain doit être mis au centre de tout ce qui se fait. L'inclusivité, toutes les parties prenantes prises en compte. Et mettre l'éthique et la responsabilité comme condition sine qua non de la durabilité. Je ne pourrais pas présenter tout ça en raison des contraintes de temps, mais juste dire que en mettant un cadre en place, un cadre de gouvernance, quelle que puisse être la stratégie qui est mise en place, en mettant en place un cadre de gouvernance des systèmes d'IA, on pense que aujourd'hui il est nécessaire. Donc, on a constaté que le Sénégal n'avait pas de stratégie d'IA. Il y avait quelques référentiels stratégiques généraux en fait qui montrent qu'il y a quelque chose qui est fait quand même comme base
Et il y a d'autres stratégies annoncées. Donc, je passe sur ces stratégies-là, le plan Sénégal émergent, la stratégie SN 2025. Mais les éléments indispensables, en fait, que je veux mettre en lumière ici, c'est en termes de perspective. Pour qu'on ait une stratégie IA qui est centrée sur l'humain, à notre sens, il faut trouver un équilibre entre la protection des droits fondamentaux, non-discrimination, protection de la vie privée et des données à caractère personnel, équité sociale. Mais parfois, le pendant qu'on oublie, c'est la protection de l'innovation et la création de valeur pour permettre aussi à l'autre pan de la population, ceux qui investissent, ceux qui innovent, de trouver intérêt à le faire en respectant les droits fondamentaux. Pour cela, il y a une nécessaire protection du secret des affaires, l'ouverture et le partage des données, la garantie de la liberté de la concurrence et la valorisation des données. On peut étendre ça à souhait, mais c'est des éléments importants. Maintenant, quand il s'agit de régulation, et ça va être mon dernier slide, deux éléments, l'éthique et le droit, comme éléments qui permettent en fait d'avancer en toute sérénité, c'est quoi? Le droit pouvant être un moyen de garantir l'éthique dans la gouvernance des systèmes d'IA, mais en même temps, l'éthique qui va permettre au droit d'être effectif. Comment? Quand on regarde le droit comme moyen de garantir l'éthique dans la gouvernance, c'est que c'est les principes éthiques qui vont être juridicisés. Comment est-ce que ça va être transformé en droit? C'est qu'on prend le législateur, il met en place des principes, parce qu'on le voit avec l'Union européenne aujourd'hui, qui a mis en place un cadre juridique pour l'IA, on se rend compte que le degré de maturité, de compréhension en fait, et d'appréhension de l'IA aujourd'hui ne permet pas de mettre en place un cadre qui puisse s'appliquer concrètement. Donc, on met en place des principes, mais en mettant en place des principes, ça ne suffit pas. On va permettre de recourir à la contrainte, comme on fait d'habitude pour pouvoir dissuader les comportements irresponsables, mais ça ne suffit pas non plus. Il est important que l'éthique soit là comme mesure de toute chose, en permettant aux acteurs de s'engager eux-mêmes. Aujourd'hui, dans notre société, plus que jamais, je pense qu'on est interpellé, l'engagement responsable et ce qui peut sauver l'humanité par rapport à l'IA, parce que l'humain est aujourd'hui challengé dans sa sphère de compétence qui est l'intellectualité. Avant, toutes les innovations. Merci, Madame Zahar, pour ces explications très claires et merci à Moustapha Ndiaye de nous avoir éclairé sur l'éthique et la gouvernance des systèmes IA au Sénégal. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci. On va passer du coup à la présentation suivante. Est-ce que Madame Nabila Diaël est là? Elle peut parler potentiellement? Bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Donc, je vais vous présenter à nouveau. Donc, professeur à l'Institut supérieur des arts et métiers de Tataouine. Donc, Ramzi Turki, je ne sais pas s'il est présent également, mais vous avez écrit un article sur Tataouine, une ville qui peut être intelligente. Donc, je vais vous laisser la parole à présent. Alors, comme vous le voyez, la présentation, bon, moi, je suis Abdoulaye Salifo. Je suis le chef éducation au bureau de liaison de l'UNESCO à Addis Abeba, auprès de l'Union africaine, de la Commission des Nations unies pour économique pour l'Afrique et d'Éthiopie. Je suis spécialiste en droit de TIC. Voilà. Alors, donc, ma présentation porte sur en quoi, comment le chat GPT bouleverse le droit d'auteur. Il y a une collègue qui vient de parler donc des aspects juridiques. Effectivement, le chat GPT, effectivement, va être apporté sur plusieurs pans du droit. Ça peut être le droit commercial, le droit de la propriété intellectuelle, ça peut être la cybercriminalité, etc., la cybersécurité, ou encore l'éthique. Donc, ce dont moi je vais parler aujourd'hui, parce que nous sommes dans le monde de la recherche, il faut que nos enseignants-chercheurs savent qu'en recourant au chat GPT, quels sont les risques qu'ils encourent et qui a la qualité d'auteur ou pas d'auteur. Donc, je vous fais l'économie en ce qui concerne la définition de chat GPT. D'accord. Alors, quelles sont les questions juridiques? Bon, je laisse ça. Quelles sont les questions juridiques que pose le chat GPT? Premièrement, alors, qui est propriétaire
du contenu généré par le chat GPT. Est-ce l'entité qui a fourni le contenu ou l'entité qui a créé l'application, on va dire, l'intelligence artificielle ChatGPT? Ça, c'est la première question. Deuxième problématique, est-ce que le ChatGPT, bien sûr, est protégé par la protection, par le droit d'auteur, donc par bénéficier de la protection par la propriété intellectuelle? Voilà. Est-ce qu'il y a violation, d'accord, du droit d'auteur, du droit de la propriété intellectuelle en ce qui concerne les contenus générés par ChatGPT en ligne, particulièrement lorsque ChatGPT n'a pas sollicité l'autorisation des auteurs? Alors, qui est responsable d'une utilisation illégale de ChatGPT en particulier en parlant de la contrefaçon? Donc, l'article L112 du Code de la propriété intellectuelle dit que les dispositions du présent code protègent les auteurs, quelle que soit la création, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Et cette qualification de création, d'œuvre de l'esprit, implique que cette qualification revient naturellement à un être humain, à une création qui est intimement liée à un auteur. Or, selon le code de propriété intellectuelle, ne peut être auteur qu'un être humain, donc qu'un homme. Ça, c'est la première problématique réglée par le code de propriété intellectuelle. Deuxièmement, la question d'originalité. Est-ce que les œuvres, les créations générées par ChatGPT, par exemple, peuvent être qualifiées d'originales? Évidemment, il y a des créations qui peuvent être qualifiées d'originales, mais seulement que la question d'originalité est intimement liée à la personnalité d'un être humain. Donc, on revient ici également aux critères d'auteur. Maintenant, la qualification, qu'est-ce qui concerne la qualification, le processus de qualification? Est-ce que les créations générées par ChatGPT peuvent être qualifiées de création intellectuelle? D'accord? Maintenant, à supposer que ChatGPT bénéficie de la protection par le droit d'auteur. Alors ici, nous avons deux hypothèses en présence. Celui qui a créé l'application ChatGPT, d'accord, en raison d'un investissement intellectuel, financier, matériel et des efforts déployés dans la sélection des data, on va dire dans la collecte des données, cette personne-là peut prétendre au droit sur le ChatGPT. Deuxièmement, la personne qui utilise le ChatGPT en particulier, qui utilise l'application pour poser des questions et obtenir des réponses. Alors, ces questions-là sont très importantes. Alors, que nous dit maintenant l'organisation qui a créé ChatGPT, à savoir OpenAI? Donc, OpenAI considère que la qualité d'auteur appartient à la personne qui a utilisé le chatbot. Donc, en conséquence, les articles, les e-books et tout ce que génère ChatGPT, selon OpenAI, devrait bénéficier à l'utilisateur. Mais dans le même temps, OpenAI a mis en place quelques réserves. Premièrement, tout ce qui concerne, par exemple, on va dire hate speech, c'est-à-dire les discours racistes, diffamatoires, obscènes, racistes, sexistes, etc., ChatGPT considère que un utilisateur de cette application-là ne peut pas utiliser cette application pour violer tout ce que je viens de dire là. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? En France, la réponse qui a été retenue, c'est de dire qu'il faut une disposition législative pour effectivement aboutir à une loi sur la réglementation de l'intelligence artificielle. Le Parlement européen est encore en train donc de travailler, je reviendrai là-dessus. Aux États-Unis, on a eu pas mal
de contentieux. Et en ce qui concerne donc ces contentieux, très souvent, on dit que il y a violation des droits des artistes, par exemple. Donc, voilà ce que moi, je voulais dire. Maintenant, pour compléter cela, il faut dire que l'UNESCO et ses 193 États ici, ont adopté en novembre 2021 la première recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, qui est, il faut préciser, le premier test normatif dans ce domaine-là. Alors, que dit la recommandation? La recommandation, je vais retenir que les points cardinaux. Premièrement, il faut protéger les données personnelles, hein. Deuxièmement, il faut forcément éviter tout ce qui porte sur la surveillance de masse et la notation raciale. Troisièmement, il faut que l'IA prenne en compte la protection de l'environnement et contribue à la lutte contre le changement climatique. Et quatrième point, la recommandation propose qu'il y ait une évaluation de la recommandation de son application au fur et à mesure de son application. Alors, à cela, il faut ajouter rapidement le projet de réglementation de l'Union européenne qui a été rendu public le 21 avril 2021, qui n'est pas encore transposé dans les lois nationales. Alors, le projet de réglementation européenne prévoit 4 graduations. Premièrement, les IA qui sont considérées comme inacceptables, qui violent les droits humains, par exemple. Deuxième classification, les IA qui sont considérées comme à haut risque, où on utilise effectivement l'outil technologique pour des surveillances invasives, des surveillances massives. Et nous avons naturellement ce que nous utilisons tous les jours, à savoir les IA qui sont considérées comme à risque modéré, à risque acceptable. Ce sont les applications que nous utilisons tous les jours dans nos smartphones. Et les IA, dernière catégorie, dernière classification, les IA qui sont considérées comme du risque minime. Voilà qui montre très clairement, un peu comme le droit de l'Internet, le droit des technologies de l'information et de la communication, qu'il faut rapidement évoluer vers une réglementation mondiale. C'est ce que l'UNESCO a fait avec la recommandation qui a été adoptée par 193 États et en novembre 2021. Donc, c'est le premier cadre normatif mondial et contraignant. Maintenant, on peut aussi aller plus loin pour dire quelle est la relation entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité, parce que là également se posent d'énormes questions d'éthique. Et très souvent, on dira que les attaques, les cyberattaques ne partent pas du zéro. Très souvent, elles s'appuient sur des attitudes, sur des concepts générés par des mégadonnées. Et c'est en cela que le machine learning, par exemple, est très utilisé et qui peut aider à améliorer, par exemple, les situations du cyberattaque. Donc voilà, de manière sommaire, évidemment, j'ai voulu présenter ça en français et partager la version anglaise avec les collègues des autres pays qui sont en train de nous suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Salikou, de nous avoir présenté un peu les problématiques, ce nouveau paradigme des intelligences artificielles génératives, et notamment la question de l'ownership qui est d'actualité, notamment dans le domaine juridique. Si quelqu'un aurait des questions par rapport à ces aspects-là, que ce soit en ligne ou dans la salle. Non, merci beaucoup. Qui a une question? Alors, il y a une question. Ok, je suis là. Oui, merci beaucoup, Abdoulaye, pour votre partage. Je vais avoir
Alors, est-ce que la personne peut se rapprocher du micro? J'entends pas très bien. Ok, un instant. Un instant. Elle arrive. Est-ce que là tu m'entends? Très bien. D'accord. Bonjour, cher ami. Merci beaucoup pour ton intervention et bien entendu toutes les interventions qui ont été tenues ici, qui sont bien entendu des interventions de haut niveau. On est ici également très préoccupé par cette question de ChatGPT parce que finalement on ne sait plus comment s'y prendre dans le domaine de l'éducation, si jamais on doit autoriser ChatGPT ou pas. On ne sait plus comment évaluer. Donc effectivement, c'est une question importante que tu abordes là. Et donc je voulais savoir au niveau de l'UNESCO, est-ce que l'UNESCO serait de façon très pratique, on serait prêt, par exemple, à recommander ChatGPT dans les curricula, en tenant compte, bien entendu, des limites qui s'imposent, ou est-ce qu'on est simplement sur des réflexions du genre éthique? Voilà, pour être très bref, est-ce que vraiment... Oui, je pense que... Merci beaucoup, c'est une question très importante. Et déjà... l'UNESCO, nous avons cette recommandation qui encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle et qui donc, qui dit éthique, nous sommes contre la contrefaçon, d'accord? Donc, ce qui nous ramène à dire que on ne peut pas, l'UNESCO par exemple, ne peut pas autoriser l'utilisation des ChatGPT dans les cursus scolaires, d'autant plus que, comme je l'ai dit, ChatGPT embrasse pas mal de données et lorsqu'un étudiant va recourir à ces données-là pour, par exemple, écrire un article, on ne sait pas si l'application n'a pas cité toutes les sources. Donc, il y a vraiment une question, d'abord, d'éthique, de contrefaçon. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, les tout premiers intellectuels qui ont eu recours au ChatGPT, certainement, beaucoup d'entre eux ont écrit des bouquins en un temps record et se pose maintenant la question de la capacité humaine devant la machine. Donc, du coup, ce que l'UNESCO fait, c'est de faire des ateliers de renforcement de capacité sur la maîtrise de cette recommandation-là pour qu'il y ait une utilisation, comme on dit, légale, juste et non délictueuse de cette application-là. Et on voit la panique qui se saisit du monde entier dans certains pays. On a très tôt dit, bon, il faut arrêter l'évolution de cette technologie-là pour un temps d'observation. Dans d'autres pays, et heureusement, l'Union européenne a dit, ah non, il faut tout simplement circonscrire l'utilisation de ces applications ChatGPT en classifiant, par exemple, les applications des systèmes d'intelligence artificielle qui sont considérés d'inacceptables, ceux qui sont les systèmes qui sont considérés, par exemple, à haut risque et ceux qui sont considérés à risque modéré, acceptable et minime. Maintenant, je vais juste ajouter un point pour dire que à l'heure actuelle, il serait trop tôt d'autoriser l'utilisation d'une telle technologie, parce que il y a même une compétition au sein, bien sûr, des applications d'intelligence artificielle conversationnelle. Quand on lit la presse, tout ce que nous revient tous les jours, on voit que peut-être que si on autorisait, par exemple, ChatGPT aujourd'hui, il y aurait encore une autre application plus avancée. Donc, il vaut mieux, effectivement, un très bon encadrement là-dessus. Et l'encadrement, pour que ça soit effectif, il faut une bonne maîtrise de cette législation-là, donc de cette réglementation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. En clair, par exemple, pourquoi nous, au niveau de l'enseignement supérieur à l'éducation, on ne peut pas autoriser ça? Parce que ça pose la question de la titularité des droits sur une œuvre. À partir du moment où c'est une application qui génère un contenu qu'on peut qualifier d'original, et sur le principe, oui, l'originalité, c'est quoi? C'est intimement lié à l'auteur, à la personnalité de l'auteur. Or,
le code de propriété intellectuelle, article 112, nous dit peut être qualifié d'auteur qu'un être humain. Et la question donc des droits patrimoniaux, ça c'est dans le ressort des personnes morales, par exemple des entreprises qui financent ça. Or, dans ce cas précis, qu'est-ce que ChatGPT nous dit? OpenAI nous dit clairement dans sa réglementation que c'est l'auteur qui a posé la question, que c'est lui qui peut revendiquer le droit d'auteur sur cette production-là, sur cette création-là, ce qui est une véritable confusion. Donc, c'est pour cela que la mise en place d'un cadre légal à l'échelle mondiale est très important pour orienter les États à s'inspirer de cette recommandation-là, puisque 193 États membres de l'UNESCO, bien sûr, ont adopté cette recommandation sur l'intelligence artificielle et donc par ricochet sur ChatGPT et ses dérivés. Merci. Allô, cher Alain, donc nous sommes disposés à accompagner donc dans les ateliers de renforcement de capacité aussi bien du niveau scolaire jusqu'au niveau supérieur pour que les gens s'approprient effectivement cette technologie et comprennent les dangers et les risques qui sont intimement liés à cela. Merci beaucoup, M. Sayoufou. Donc, nous avons une deuxième question. Merci beaucoup. Donc, ma deuxième question s'adresse à notre collègue Philippe Ibekwa. En fait, tu viens de parler de data colonialisme. Et quand j'ai vu ce sujet, ce titre, je me suis dit, c'est quand même assez fort parce que le colonialisme, c'est quelque chose qui est assez daté, ancré dans une démarche donnée. Et là, il me semble qu'on est juste sur une question de stratégie commerciale, voire de géopolitique. Est-ce que parler de data colonialisme, ce n'est pas un petit peu exagéré? Et l'autre version de ma question, c'est de dire, est-ce que, alors si vraiment le data colonialisme existe, est-ce qu'il peut se départir ou bien est-ce qu'il peut se libérer du techno-colonialisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut éliminer le data colonialisme tant qu'on n'a pas éliminé le techno-colonialisme, voire le colonialisme tout simplement? Merci. Merci pour cette question. J'aurais aimé m'attribuer la paternité ou la maternité du terme, en fait, c'est un terme qui est défini par Nick Caudry et Medias, qui sont deux chercheurs en anglais et un allemand, qui travaillent depuis qu'à leur publication, leur première publication avec ce terme, et donc il y a un livre aussi, hein. The Cost of Connection, Data Colonialism, The Cost of Connections. Donc, c'est vraiment des gens qui étudient comment cette nouvelle économie numérique considère que les données, les points, les relations entre les données sont, comme nous disons tous, ça a devenu le nouveau pétrole, en fait. Et donc, c'est pas du tout exagéré, c'est-à-dire que d'après des analyses qui sont publiées par tous ces experts, les richesses qui sont accumulées par l'exploitation non bridée des données que nous relâchons tous sur le web dépassent les richesses qui ont été accumulées sur des matières premières physiques. Donc, c'est un nouveau forme de colonialisme parce que c'est l'ayant du numérique, que nous appelons familièrement les GAFAM, considèrent qu'il faut de nouveaux marchés à conquérir, considèrent que ce sont en fait des traces qui sont juste là à exploiter et en aucun cas ne se soucient des effets de l'exploitation de ces données et des gens dont ça provient. Donc c'est vraiment, à part le fait qu'il n'y a pas de conquête de territoire physique ou de ressources, quoique on voit même à travers ChatGPT qu'il y a des ressources humaines derrière,
C'est vraiment la même idéologie de conquête de nouveaux marchés sans limite et d'exploitation sans limite, si ce n'est la limite posée par les législateurs dont on vient d'avoir l'exemple au niveau du UNESCO, au niveau de l'Union européenne. Sans ces gardes-fous des États, on est vraiment dans la même démarche d'exploitation sans limite de ce nouveau capital. Donc, le terme est institué et posé depuis quelques années, depuis au moins 3 ou 4 ans, par des experts qui l'ont bien travaillé, bien forgé, qui expliquent vraiment comment ça fonctionne. Donc, je n'ai fait en fait que le reprendre et les citer dans ma présentation, mais ce n'est pas de moi. Mais vous le partagez? Absolument, absolument. En disant et en croisant tout ce que je sais, la façon dont fonctionne. Les géants du web, à savoir que ce sont les mêmes qui sont à l'origine du colonialisme historique, de l'esclavage historique, enfin, je dis, sont les mêmes. Bien sûr, à génération M plus, je sais pas combien, mais ce sont les white men, les hommes blancs, qui définissent, qui font le design de ces algorithmes, qui définissent ces systèmes, et donc qui conditionnent en fait leur mode opératoire et qui font une sorte de captation, de prédation de toutes les données qui ne leur appartiennent pas. Les données sont les nôtres. Mais on a pas la capacité en fait de d'exiger en retour une partie de tout ce qu'ils ont accumulé comme richesse. À savoir qu'aujourd'hui, Google et Facebook sont des États qui sont en capacité de réguler le fonctionnement de la planète entière. Ils sont en capacité de fabriquer des cartes d'identité, ils sont en capacité de fabriquer la devise. Tout ce qui les empêche, ce sont les législateurs. L'Union européenne, les États-Unis, parce qu'ils sont encore un grand État, ou la Chine. Sans ça, ils sont en fait devenus des puissances impériales à l'heure actuelle. Donc, je partage absolument cette analyse. Merci. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, nous allons conclure par cette présentation qui était très intéressante. Merci. Donc, je tiens à remercier encore une fois tous les intervenants qui ont apporté leur expertise sur leurs différents sujets. Donc, c'était un atelier assez éclectique en termes d'application de l'intelligence artificielle. Donc, on est passé du comportement des consommateurs aux biens intelligents, en passant également sur la gouvernance et l'éthique des systèmes IA. Donc, nous avons eu une vision globale de toutes ces applications et des questions que ces intelligences soulèvent et soulèveront dans le futur. Donc, encore une fois, je tiens à remercier tout le monde, tous les participants également et les participants en ligne qui nous ont regardé pendant tout ce temps. Et excusez-nous encore de l'étalement de timing en termes de cet atelier. Donc, merci beaucoup et au revoir.